Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Maxime Moulin, on se retrouve pour le JDR Bitman, Hitman. Voilà, en compagnie de Steve. Bonjour. Voilà, Steve, il a changé. Et donc, cette fois-ci, on va faire le contrat numéro 3 à Fairport. Alors, bonjour 47, un contrat moins facile qu'à l'accoutumée. Voilà, se présente pour vous. Mais je sais que ceci vous plaise d'autant plus. Il vous emmène à Fairport, aux États-Unis, siège de la puissante entreprise Armacam Technology Corporation, numéro 1 en termes d'armement militaire et qui vend aussi ses services en tant que sécurité et armée privée. Voilà, notre client n'est autre que le PDG de cette compagnie, voilà, à savoir Batistich, qui a besoin de faire un sacré nettoyage au sein de l'empire qu'il mène. Voilà, en effet, il se fait chanter par trois personnes, dont deux à la tête de son troupeau, qui lui menacent de dévoiler des informations compromettantes à son sujet en échange d'un silence de sa part sur les activités légales qu'ils mènent de leur côté. Voilà donc le bon vieux chantage. Baptiste a laissé faire pendant un temps en espérant trouver une solution pacifiste pour s'occuper d'eux. Cependant, ils ont dépassé les bornes pour lui quand ils ont lancé le projet Ares. Celui-ci consiste à enlever des enfants en quatre coins du pays afin d'expérimenter différents produits de sûreté dans le but de les augmenter, d'en faire de puissants enfants soldats. Le pacifiste demande ainsi notre aide pour se débarrasser de ces trois maîtres chanteurs afin qu'ils arrêtent de nuire à tous. La première cible n'est autre que Karen Reddington, la colonelle des Black Ops, une division d'élite de leur armée. Si son nom vous dit quelque chose, c'est qu'elle a été impliquée dans l'affaire du tueur de Varun Dim et qu'en plus elle fut arrêtée à l'époque par les Avengers, des super-héros. Voilà. Ce que l'histoire nous dit moins, c'est qu'elle a pu s'en tirer et comme elle a réussi à faire chanter son employeur avec deux de ses amis, elle a pu retrouver son boulot sans souci. Tous ceux qui l'ont côtoyée la décrivent comme une pure sociopathe, sa seule source de plaisir étant de ôter la vie aux autres. Elle est toujours calme, a peu de relations sociales, hein, et garde sa vie privée secrète. Mais malgré son penchant pour la mort, elle aurait elle-même peur de mourir. Le second de vos cibles est George W. Trevor, sénateur de l'État du Kansas où se situe Fairport et qui a beaucoup de soutien de la part de la population locale après 2 ans passés au Sénat. Derrière son bon sourire et son costume soigné se cache, vous en doutez bien, une bien moins belle figure, un escroc, un manipulateur, un charlatan ayant soif de pouvoir. Voilà. Et le dernier de votre liste est Rabouin. Ça, je me suis inspiré de l'audio connard, hein, n'est-ce pas? Rabouin Twangan, le général de l'armée d'Amakam depuis 4 ans. C'est un ancien seigneur de guerre botswanais qui s'est acquéré de plusieurs fidèles soldats pour ensuite les trahir en les vendant aux forces gouvernementales avant de se tirer aux États-Unis avec le diamant qu'il avait amassé dans son pays natal. Ah, c'est bien les reconversions professionnelles. Ce traître à sa nation est désormais détesté par le plus grand nombre là-bas et je suis sûr qu'il serait plus que ravi qu'il finisse 6 pieds sous terre. Baptiste souhaite en plus que de ces trois cibles que vous vous occupiez de trouver et de ramasser les documents compromettants à son sujet afin de les détruire. Tout ce beau monde se trouve au QG d'ATC à Fairport où vous serez infiltré par les toits par notre client. Ce dernier souhaitera s'entretenir avec vous pour discuter du plan offensif. A vous de voir si vous acceptez de lui parler. Bon contrat, 47. Ouais, ok, ça marche. Et on commence par le sénateur. Voilà. Alors, problème technologique. Utiliser la tenue de soldat léger et électrocuter Karen avec l'un des spots vidéo au plafond. Mauvaise cible. Utiliser. Ouais, je m'en fous des opportunités. Donc tu commences ici. Tu viens d'atterrir avec l'hélico super bien dessiné. Ah ouais, c'est un hélico. Ouais, okay. Mais tu vois, il y a les pales, il y a les. Ok, c'est bon. Te critique pas mes dessins, c'est des plans à la Resident Evil en mieux détail. Ouais. Voilà. Tu descends, il y a le pilote qui t'a amené ici, qui est juste là. Donc tu peux techniquement prendre le déguisement, mais c'est bien de commencer un peu. Je m'en fous. Hop, on rentre. Alors tu rentres, voilà, tu perds pas de temps, t'es professionnel. Donc tu descends, tu suis le truc. Donc là tu descends l'escalier qui te mène jusqu'à l'étage 59, au niveau 59, le toit étant 50, vu que c'est un gros building, tu vois. Et donc, tu arrives dans un couloir avec un style un peu à l'anglaise. Mélange anglais-français, même sur certains points. Subtil mélange. Tu suis où?
Ouais, en même temps, là, il n'y a qu'un chemin. Il y a une porte. Tu la prends? Ça dépend. Ma cible, elle est où? Normalement, elle est censée t'attendre dans le coin ici, dans cet étage. D'ailleurs, en général, ça se fait pas beaucoup. En général, tu vas directement sur le truc, t'as le briefing et tout. Mais pour une fois, le mec qui commande le truc est présent sur place, il peut discuter avec toi. Ce qui est pas si souvent le cas. Hein. En général, le mec qui commandite, il est pas dans le coin. Souvent. Donc, Diana te dit qu'il t'attend dans cette pièce, dans la salle à manger, qu'il faut prendre cette porte. Ouais, là, t'arrives dans le gros salon avec les costumes, plein de trucs entreposés. Et là, t'as un garde du corps qui se trouve là, qui te voit arriver et qui se pousse parce qu'il s'est directement quitté. Voilà. Et donc, tu rentres. Et là, tu vois Baptiste assis juste là. Mieux vaut que je fasse de l'autre côté plutôt. Le mec qui est assis à l'autre bout de la table et qui te fait bonjour, 47. Bonjour Baptiste, tu veux être mon ami? Sécurité, garde. Oui, bonjour, alors vous vouliez parler de quoi? Je voulais qu'on discute de votre plan offensif, si vous aviez des idées, si vous avez besoin des conseils, d'aide. Je veux l'emplacement des trois et un badge qui me donne accès à qui déverrouille toutes les portes. Un badge, vous pouvez prendre le mien si vous voulez. Ouais, ça marche. Après, si vous avez besoin, vous pouvez prendre mon déguisement. A priori, vous êtes capable de vous camoufler en n'importe qui. Non. Pas. Oh, ça, je vais rester un grand endroit. D'accord. Donc avec ce badge, vous passerez inaperçu pour les niveaux de trucs. Hein. Vous pouvez sortir l'excuse que vous êtes un client, un mec qui est venu me voir, ça passera crème. Par contre, pour les niveaux, on va dire, tout ce qui est la caserne, les réserves comme ça, vous passerez pas même avec cette tenue. Donc il faudra que vous trouviez quelque chose d'autre, même si vous avez le badge. Donc il t'envoie le truc. Voilà, tu le réceptionnes. Et donc j'ai les emplacements des méchants alors. Alors, il te dit que le sénateur est à l'heure actuelle à l'étage en dessous, au niveau 58, donc en train de faire le tour. Parce que justement, il veut s'entretenir avec Baptiste, mais donc attend que Baptiste soit disponible pour rediscuter des trucs. Donc il te dit tout ça. Vous avez qu'à l'appeler. Lui dire que vous êtes libre et le faire venir. D'accord. Avant de faire ça, il te dit aussi... 47, pour ce qui est de Rabouin, il se trouve dans la caserne au sous-sol, c'est-à-dire au niveau moins 2 à l'heure actuelle, en train de voir les troupes, c'est là où il se trouve toujours. Des fois, il monte aussi au niveau moins 1, mais à l'heure actuelle, c'est là où se trouvent les douches et certains autres coins, mais elles sont hors service, donc il n'y a personne. Voilà. Sinon, pour ce qui est de Karen, elle se trouve... au niveau moins 3, c'est l'étage de l'unité d'élite avec des reproductions de lieux où ils s'entraînent. C'est assez spécial. Faudra faire gaffe une fois là-bas, mais après, comme c'est des tenues masquées, je pense que vous passerez assez inaperçu. Il faut juste réussir à choper des tenues. Et puis pour ce qui est des documents compromettants, ça, je n'ai aucune idée de où est-ce qu'ils les ont mis. Mais j'ai l'impression qu'ils se traficotent quelque chose dans les sous-sols. Donc vous essaierez de voir de ce côté là en tant que vous êtes au passage. Et donc là il va appeler donc l'autre mec. Bonjour monsieur Trevor, oui, notre rendez-vous, passez au bureau, je vais vous y retrouver, je vous mènerai à ma suite, voilà, pour qu'on discute tranquillement. Oui, ça marche. Oui, pour les documents. Oui, votre assistant. Oui, ça marche. A plus. Et il raccroche. Et puis là, il fait « Restez ici, je vais aller le chercher. » Comme ça, c'est fait. C'est une bonne tactique que tu fais. Et donc, Baptiste s'en va pendant plusieurs minutes. Qu'est-ce que tu fais en attendant? Tu veux te promener, essayer de repérer des trucs? Non. Tu peux faire des jets d'objets cachés pour voir si tu trouves des trucs? Ouais, faire ça. Ok. Alors, tu fais donc un jet d'objets cachés ici. Et ce que tu trouves, globalement, c'est, on va dire, une matraque télescopique planquée sous le truc.
du côté de là où il y avait Baptiste, au cas où. C'est bien accroché. Donc tu la prends pour ton inventaire. Comme ailleurs, il est signé là. Donc finalement, Baptiste revient avec la cible, Georges, donc un mec donc bien habillé et tout, avec son secrétaire à ses côtés, voilà, qui le suit du mieux qu'il peut avec son pas. Et évidemment, la première réaction en arrivant ici, c'est le sénateur qui l'a, c'est en mode « C'est qui, lui ?» En te pointant du doigt. « Je croyais vous avoir dit que personne ne devait être au courant, hormis vous. » Vous tenez vraiment à ce que ça soit ébruité, vos informations. Si vous tentez une entourloupe, ça va pas aller. Qu'est-ce que tu fais, toi? Je me mets devant la porte. Donc, tu passes à côté de lui. Oui. Là, tu le bouscules, limite. Et là, je me tourne vers lui, et je lui parle à lui et à ce secrétaire, et je lui demande où sont... les toilettes. Les documents, tu sais, qui servent à faire chanter... Ok, tu vas me faire un jet de chance à 40 parce que je suis connard, hein. 92. Là, il te fait avec un air un peu limite hautain. Pourquoi je devrais-je vous répondre? C'est nous qui sommes en situation de supériorité à ce moment-là. Et là, je sors mon flingue et je lui loge une balle dans, dans le genou. Et je répète ma question en regardant le secrétaire. Le secrétaire est... Et je lui dis, où sont les documents qui servent à faire chanter? Ok, tu vas me faire avec un sur 65, voilà, voir si tu arrives à faire chanter. Ouais, t'arrives au truc. Alors t'as le Georges qui fait, ne lui réponds pas, et t'as le secrétaire qui fait, normalement ils sont, et tu sais, il fouille dans son truc. Oh mince, je les ai oubliés en bas. Oh, merde, ne lui dis rien, et t'as le secrétaire qui te balance quand même tout et qui te fait. Ils sont à l'étage moins 4. Et t'as Baptiste qui fait moins 4, mais il n'y a pas de sous-sol moins 4. Si, il y en a un, ça a été construit en secret, sans votre accord, sans que vous sachiez. Il y a des groupes de mercenaires qui se trouvent ici, justement, au cas où vous viendrez faire bordel pour tenter un coup contre vous. Je les ai oubliés sur le bureau de leur commandant. C'est de là qu'on vient, justement. On a fait une escale ici avant. Ouais, un truc super secret, et tu laisses traîner ça. Pauvre tâche. C'est 47 qui le dit. Ouais. Et t'as Georges qui fait justement pas. Et qui fait. Je suis d'accord avec vous. Putain, mec. Hein. S'il y avait un truc qu'il fallait pas oublier dans ce truc, et en plus tu lui balances. Je devrais t'être. Et là, Georges, il saute sur le secrétaire pour le buter. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Ok, il le tue. Au bout d'un. Voilà, maintenant, je loge une balle dans la tête au sénateur. T'as Baptiste qui te fait. Je savais bien qu'il y avait Anguille Souroche sur votre réputation de ne tuer que vos cibles. Hein. vous les empêchez pas par contre. Je ne tue que mes cibles. C'est pas moi qui les tue, l'autre. Ouais. Bon. Bon, au moins, vous avez réussi à vous débarrasser d'un de mes problèmes. Puis ça réglera votre truc, vous avez qu'à dire qu'ils se sont entretués. En tout cas, essayez d'éviter que mes employés civils, on va dire, périssent et aussi... Il était dans le coup, je vous signale. Ouais, mais je veux juste être sûr. Hein. Ouais, voilà, vous pouvez brosser. Je ferai par rapport à ce que je veux. Tu crois que je vais me laisser buter parce que je dois sauver un civil? T'as vu la Vierge? 47, il a changé, hein. Bon, eh ben, hop, c'est où il est le prochain? Niveau moins 3, c'est ça? On va aller faire dans niveau moins 2. Hop, direction niveau moins 2. Vous y allez seul parce que j'ai aucune raison, on va dire, d'y aller. Ouais, je fouille juste le sénateur et le secrétaire pour voir s'il y a des trucs qui peuvent servir. Et je pique le déguisement du secrétaire. Pour une fois, tu peux te déguiser en une cible et tu peux te déguiser dans le sénateur. Non, je prends sénateur. Finalement, tu arrives par là, tu vois, dans la zone, et donc tu ouvres le passage, je pense, qui te mène jusqu'au bureau de Baptiste. Mmh. Voilà, parce que le passage était derrière une armoire. Et une fois là, ben, je pense que tu sors du bureau, ouais. Et là, tu vois les ascenseurs juste devant, qui peuvent te mettre au truc. Ça sert à rien de fouiller le reste du niveau, mais je le montre quand même, je montre quand même. Donc ça, c'est le moins 2, c'est ça? Ça, c'est le niveau... Non, ça, c'est le niveau 58. Ah, bon, moi, je prends l'ascenseur, on y va. Et donc, finalement, tu arrives... Tu passes par l'autre niveau et
Et donc tu descends par là et donc tu arrives à passer. Comme tu es sénateur, tu passes à côté d'un cadre d'Armacam hein, qui est en train de discuter avec eux. Hein. Voilà pour le truc. Mais qui arrive pas à passer lui de son côté parce que ça c'est l'étage militaire. Bonjour, j'ai un truc à récupérer. Puis, de toute façon, vous êtes des gardes, ça, j'ai pas à me justifier en face de vous. Je suis sénateur, je fais ce que je veux, je vais où je veux. Point, hop, laissez-moi passer. Ouais, il te laisse passer. Gros sac. Bon, il est où ma prochaine cible? Hein? Elle est où? Donc tu passes par plusieurs trucs. D'ailleurs, tu peux remarquer qu'il y a des couples qui sont en train de faire des choses dans leur hein, dans les véhicules. Ils ont raison. C'est sympa. Donc tu arrives ici, c'est là qui ça mène le couloir à la base avec les dortoirs. Voilà les dortoirs. Ici il y a la cuisine et ça va être la, et c'est l'armurerie là. Ça. Là, ça c'est sur cette décible, ça c'est la porte qui mène. Ah c'est le stand de tir. Ouais. Donc, avec ouais, désolé, l'armurerie elle est là, excuse-moi, l'armurerie est là avec l'armurier. Et donc je te présente. Et donc en arrivant, tu vois que Rabouin il est là. Putain, il pouvait pas être tout seul. Il est en train de discuter avec le soldat qui garde la porte. Donc si je parle au mec, il me reconnaît pas. Ça passe. Ouais. Donc après. Pour lui, je suis le sénateur alors. Ouais. Après, ça veut pas dire que tu feras pas de G suivant qu'il a envie de parler au sénateur ou pas. Alors je vais voir. Mais lui, il va pas. Radouane. Je vais lui parler. Lui, c'est ma deuxième cible. Radouane Faïd. C'est ma deuxième cible. Ouais, c'est ça. Là, il est en train de discuter avec un soldat des Black Ops qui garde la porte menant à leur espace à eux. Et donc, tu prêtes même pas attention à ce qu'il dit. Tu abordes. Je vais voir Radouane et je dis, il faut qu'on parle tous les deux. C'est... Il y a un problème. Merde, c'est Baptiste, c'est ça, il fait chier. Il faut qu'on aille voir si les documents ils sont toujours là. J'ai l'impression que Baptiste suspecte quelque chose. Et donc je lui dis d'aller avec moi en bas, là où il y a les documents. D'accord. Donc il dit, vous avez entendu, laissez-nous passer. Ça marche, général. Voilà, et donc il laisse passer, comme il sait que le général est dans le truc. Ouais, pragmatique. Donc là, vous êtes en train de traverser le couloir. Mmh. C'est un sacré long couloir, n'est-ce pas ? Oh, la perte au mètre carré, tu te rends compte le nombre de trucs à chauffer et tout pour rien. Ouais, mais on s'en fout. Et un truc de merde si tu te fais attaquer. C'est une entreprise d'armement, ils s'en battent les couilles un peu et de sécurité. Si tu dois te planquer quelque part, c'est naze. Par contre, les décors recréés, je trouve ça toujours classe, hein, peu importe les trucs. Et donc, vous passez par là pour aller dans ce fameux sous-sol qui n'est même pas censé exister, cet étage. Hein. Donc, vous arrivez dans ce fameux étage avec tous les mercenaires, où c'est bien entretenu avec les lits, le truc, la salle à manger, le réfectoire. Là, c'est l'entrepôt, c'est là où il y a la nourriture entreposée. Et ça, c'est les douches, tu vois. Bon, après, la nourriture, c'est du simple. Hein. C'est des trucs en conserve, c'est des trucs... Tu vois, c'est... Quoi, c'est pas des rations militaires? Ou des trucs comme ça aussi. En tout cas, c'est des trucs déjà préparés. Donc, il n'y a personne en cuisine. Hormis, évidemment, le commandant qui a le droit à son propre truc. Donc, t'as Rabouin qui toque, et puis ils entrent tous les deux. Voilà. Et là, justement, tu as le commandant avec deux gardes du corps, des militaires augmentés. Ouais, c'est pas grave. Voilà. Qui sont là, et le mec, tu vois à sa gueule qui vous attendait, et il tend les documents en mode « Heureusement que je suis pas Baptiste ou un de ses agents, parce que franchement, ce genre de coup, hein, c'est quelque chose, c'est méchant James Bond, c'est vraiment le coup de truc, allez. » Je le regarde, je prends les docs, et je lui dis « Vous inquiétez pas, mon secrétaire ne leur fera plus l'erreur. » Avec le petit sourire sadique qui dit très bien ce que ça sous-entend. T'as le mec qui fait, ok, c'est vous qui faites ce que vous voulez, c'est votre secrétaire. Hein. Et on repart avec Radouane. Ok, ça fait des trucs. Et au passage, Rabouin, mais pas Radouane, hein, n'est-ce pas Radouane Faïd, à chaque fois, ça... Rabouin, il en profite aussi pour dire que putain... toute cette marche, hein. Il est plus dans sa meilleure forme. Hein. Il y avait une époque où il pouvait te faire 90 km à pied, mais là, il a de plus en plus de mal, il fait pas le figure de truc. Il discute un peu de ça sur le chemin, en mode sympa, parce que voilà.
Vous êtes de retour ici. Il y a juste... dans l'escalier là, si je le bute là, il le voit l'autre. Il peut le voir. Il y a des mecs en dessous. Ouais, mais les... monte alors. Ouais, non. Ça, c'est... Ici, il y a des gens. Hein. Trouve-moi une pièce où il y a personne. Dedans. Il va bien avoir un bureau. Le sénateur, je t'ai dit que non, lui. Non, non, mais je parle de l'autre. Rabouin. Rabouin. Mais là, t'as pas des pièces où il y a personne. Il y a les trucs d'entraînement, mais il faut trouver une justificative, genre par exemple. Bah, on va voir l'autre. Voilà. Elle est où l'autre? Bah, tu peux demander au soldat là. Elle est où l'autre? Bah, elle est derrière, elle entraîne son escouade. Ouais. Alors, attends, je vais juste présenter les lieux. Hein. Ouais, vas-y. Vite fait. Alors, la zone là, ça c'est le truc d'entraînement pour les soldats légers, ça reprend un peu fire. Ça, c'est une école, voilà. Ça, c'est pour ceux en hazmat, au cas où s'il y a un truc de gaz. Ça, c'est reproduction d'une ville pour les soldats normaux. Ça, c'est les soldats lourds, c'est une banlieue américaine avec des trucs explosifs. Et moi, je me suis lâché. Ça, c'est un hôpital avec les pyromanes. Voilà. Et donc, elle se trouve ici. Voilà. Dans cet endroit-là. Cet espace-là, si je le bute là, elle le voit pas. Non, ici il y a des grosses machines qui bloquent. Ok. Ou entre là. Ouais, si tu personne, peux aussi buter ouais, ici. Okay, c'est bon. Ça, c'est une sorte de tunnel de protection au cas où. Donc voilà, quand il passe devant, je lui tiens la porte et poum. Discret. Voilà. Bah, il est mort, hein, il s'écrase contre le truc, ouais, tu vois. Je le fous un peu sur le côté pour que si on ouvre la porte, on le voit pas tout de suite. Bon, et je me dirige vers la dernière cible. Donc t'arrives vers ici, mais il faut faire gaffe parce que elle peut voir à travers ton déguisement, donc elle va falloir ruser pour... D'où je suis, je peux lui loger une balle? Ouais, mais tu vas me faire... Alors on va faire comme ça, tu vas me faire un jet de chance pour voir si les gardes ont le temps de réagir à truc, parce que tu peux réussir à la buter, hein, n'est-ce pas? Non, mais sinon c'est trop simple, c'est tu te barres et puis tranquille. Mais c'est ça ce que j'ai prévu, je lui loge une balle et même si les autres y réagissent, je pars en courant dans l'autre sens. Ouais. Et je mets l'arme à Radouin, comme ça quand Rabouin, comme ça quand ils viennent, moi je serai parti et je dis « Ah, j'ai envie de tirer sur le truc !» Et j'envoie les autres gardes, pendant ce temps moi je me tire. Elle est pas mal la technique. Ouais. Le slasher, un dé de 100 à 50 au moins pour voir si ils peuvent tirer. Oh putain, oh là là. Et alors tu lui colles une balle dans la caboche alors qu'elle est en train d'instruire ses armes, les anglais. Voilà, tu laisses même pas le temps d'écouter sa bonne voix. Tu tentes de te barrer, mais il y a les deux soldats là qui ont le temps de se retourner, tu vois. Et ils te collent. Et ils tirent dans le tas, ils arrivent à te toucher juste alors que tu pars, et comme t'as mis en difficile, c'est ça. Ouais. Tu tombes. Voilà, mort. Ah, c'est dommage, normal, t'aurais réussi à survivre pour te barrer. Ouais. Ah, c'est con, hein, te rends compte? En normal et en facile, je finissais le truc simple. Voilà. Mais après, tu seras expatrié, il faut bien expliquer pourquoi tu reviens dans le prochain épisode. Hein. C'est que j'ai été fait prisonnier et changé à la fin. Mais je n'ai pas parlé. Ouais, il y avait même Die Another Day qui jouait. Mais non, trop facile. Là, comme je suis blessé, tu sais, j'enlève ma tenue de sénateur et je sors en chauve. Juste avant de nous quitter, je vais vous montrer les différentes opportunités qu'il y avait. Alors, il aurait pu, donc voilà, ça je vous avais dit, problème technologique, utiliser la tenue. Mauvaise cible, utiliser la tenue de soldat et abattre Karen par ordre qui s'occupe de vérifier les cibles abattues. Qui a pété, utiliser la tenue de soldat Hazmat pour saboter la combinaison de Karen afin qu'elle m'ait empoisonné. Comme Michael veut utiliser la tenue de soldat lourd et trafiquer une des cibles avec des explosifs pour tuer Karen. Brûle avec moi, utiliser la tenue de soldat pyro puis incendier à mort Karen avec lance-flamme. Inframonde, utiliser la console de commande pour libérer les entités puis les renvoyer chez eux avec Karen. Franchement, ça aurait été classe, hein. Fou. Le boss veut te voir, utiliser la tenue de garde du corps afin de tirer Rabouin dans un coin isolé. Petit voyou, utiliser la tenue militaire. Alors, une tenue militaire, rayer la voiture de Rabouin et lui dire qu'on a abîmé son véhicule.
Repas de cantine, utilisez la tenue de cuisinier pour empoisonner le plat de Rabouin. Plus près, utilisez la tenue d'armurier et assassiner Rabouin en lui demandant de se mettre devant une des cibles pour voir si elle est placée correctement. Évacuation d'urgence, utilisez la tenue de pilote afin de tuer Georges en faisant sauter l'hélico. Rendez-vous tendu, utilisez la tenue de PDG, invitez Georges à monter au niveau 59 pour le tuer avec la corde à piano. Regarde en bas, utilisez la tenue en nettoyeur de carreau et demandez à Georges de vérifier la solidité de la vitre. Démon perdu, utilisez la tenue de secrétaire et dites à Georges que vous avez perdu la photo révélatrice dans le débarras. La photo révélatrice, ouais, qui était parmi les documents. Revoir certaines choses, utilisez la tenue de commandant de mercenaires afin de s'entretenir en privé avec Georges. Voilà. Utilisez la cœur clair, utilisez l'armure pour séduire au moins une cible et la tuer avec sa corapoupe fournie avec. Alors la tenue cœur clair, elle se trouvait dans cette zone. Fallait fouiller cette zone, la salle d'interrogatoire, et t'aurais trouvé la tenue cœur clair d'Erza Scarlett. d'Erza Chose. Dans cette version, voilà, qu'on aurait pu utiliser. Petite référence, Colt Emma. Utilisez la tenue de Paxton Fettel, assassiner une des cibles en abattant d'une balle de pistolet dans la tempe alors qu'elle est à genoux. Alors, la tenue se trouve cachée dans le bureau de Baptiste. La tenue de Fear, qui est mentionnée juste après, se trouvait dans la salle, en haut, dans la salle justement avec les différentes armures exposées, les trucs comme ça. Pour la trouver, donc la tenue de soldat Fear, assassiner une des cibles en le déshabillant, en la mettant sur la table chirurgie avant de la tuer avec les aiguilles présentes. Et voilà, et puis niveau des déguisements, la costume de 47. Voilà, le pilote ATC, permet de se déplacer partout. Garde du corps, PDG ATC. Voilà, garde ATC, garde lourd ATC qui interviennent quand en fort. Employé d'ATC, cadre d'ATC, nettoyeur de carreaux, voilà, qui aurait pu être utile. Sénateur qui a été utilisé, secrétaire qu'on pouvait aussi utiliser. Militaire recru ATC, militaire ATC, militaire gradé ATC, sniper ATC, soldat léger ATC, ça c'est les Black Ops. Soldat ATC, soldat lourd ATC, soldat asmat ATC, soldat pyro ATC, soldat élite ATC, les mercenaires renforcés, les mercenaires augmentés, le commandant des mercenaires, l'armure cœur clair qui permet de se déplacer partout, Paxton Fettel, hostile partout, soldat Fear, hostile partout, militaire cuisinier permet, voilà, l'armurier permet de se déplacer, voilà. Donc vous voyez, il y aurait eu des tenues super utiles. Voilà, mais il a eu quand même l'une des tenues les plus utiles, hein, notamment celle de sénateur. En tout cas, j'espère que cette vidéo, comme j'ai dit, vous aura plu. On se revoit prochainement pour d'autres aventures. Et en attendant, comme j'ai dit, à prochainement, on retourne sur le parking.